in this song. It's emotionless too. Si vous m'entendez, excellent, parfait, Otep la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle, au Kamit les amis, oui, vous voyez, il y a de la diaf, je suis pas tout seul, regardez votre frère en direct du restaurant, d'ailleurs je sais même plus c'est quoi le blaze, mais c'est pas grave, on le dira pas parce qu'on n'a pas envie que vous puissiez nous rejoindre, commencez à liker cette vidéo les amis, et faites-moi signe en même temps, si c'est du bon, mettez 5, si techniquement il y a le moindre souci, mettez 2, comme ça, j'essaie de faire un miracle. Je vais patienter, juste le temps de voir que tout est ok les amis, et après on va attaquer avec ce live guet-apens, en direct du restaurant avec le frère Léon Marshall. Donc je vais patienter, je vais juste attendre que les 5 ou les 2 commencent à apparaître, et après on va attaquer. En attendant, souffrez avec la musique du stress. Donc il a fait tout le chemin depuis l'Angleterre pour pouvoir nous présenter ce livre que vous voyez. Mais comme je bargouine très très mal cette langue de l'anglais, donc je vais laisser les anglophones se dépatouiller avec ça. Donc j'ai Didi qui est là, qui va faire la traductrice parce que mon frère T-Boy n'a pas pu faire le voyage.
Didi, si tu peux dire Otep à notre frère, tu lui dis Mbote et bienvenue en locodermie côté francophone. Brother Mumali Makasi is welcome you. He say Otep and Bote, what is welcome and good morning in his language, Congo language. Otep and give thanks. I am happy to be here. Alors, il est très heureux d'être ici et il passe le Otep aussi à tout le monde. Je vais lui poser une question. Je vais poser une question, même s'il n'a pas fini de manger son tiep. Frère, la dernière fois, je t'ai dit, qu'est-ce que tu racontes de nouveau? Parce que nous, on a entendu plein de choses sur la glande pinéale. Ce truc de la glande pinéale me commence à me casser les oreilles. Je suis fatigué d'entendre toutes sortes de versions. Donc, est-ce que toi, tu viens encore nous saouler avec cette histoire de glande pinéale pour dire les mêmes choses que les autres? Ou bien toi, tu viens mettre une correction ou quelque chose de beaucoup plus clair par rapport à ce qu'on dit sur la glande pinéale? Didi, j'étais long, mais raccourci. So, Mobali Makasi wants to know what is new about your books. What are you going to tell us new about the pineal gland? Because he's tired to hear a lot of things, a lot of information about pineal gland, but he wants to know if you got something new for us. The melanin the melanin. We got so many information about the melanin and everything, and he wants to know, in your books especially, what are you going to say? What new are you going to say? Yeah. So in my book, I've read a lot of melanin books, and I feel like I'm connecting the dots and filling in the gaps that the other melanin books left out. Mm. So with regards to what's new, I think, and I could be wrong, but I think I'm the only one to write a book and reveal the link between melanin and marijuana. Il a écrit beaucoup de livres sur la. Alors, il a écrit beaucoup de livres sur la mélanine et il a écrit beaucoup de choses en fait concernant la mélanine, et dans ce livre spécifiquement, il va nous parler de la mélanine en relation avec la marijuana. C'est ça. Donc là, il va nous parler d'un sujet vraiment spécifique qui n'a jusqu'ici effectivement jamais été abordé. Also. I think that I'm the only one, again, I could be wrong, but I feel like my book is the only one that's going to explain to you why you're confused about melanin. I say at the back that we are all confused about melanin. Yes. But no book has explained why we are confused. OK, donc, il dit aussi qu'il est le seul à avoir écrit sur la mélanine et à savoir pourquoi, en fait, il y a autant d'informations et du coup, on s'y retrouve absolument pas du tout. Donc, on est un peu confus, on ne sait pas ce qui est vraiment la vérité. Donc, il est le seul à avoir écrit, justement, des choses précises sur la mélanine qui vont, justement, répondre à ces questions-là. Je peux poser une question? Sure. Pose la question. Est-ce que je peux poser une question? Mobali Makasi wants to ask you a question. Can he? Yes. Sure. Bon. Tu vois, en fait, on est au restaurant. Donc, je vais avoir une discussion honnête avec toi. D'accord? De frère à frère. Même si c'est filmé, mais c'est entre toi et moi. Honnêtement. Tu peux me dire, même si ce n'est pas dans le livre, qu'est-ce qui est incorrect que tu lis dans les réseaux sociaux, que tu entends de la bouche des frères? C'est incorrect, tu le sais que c'est incorrect et ça te fait chier que les gens se bavardent, se trimballent avec ce type de conneries. Donc dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui est incorrect concernant la mélanine et la glande pinéale? Ok, Mobali Makasi wants to know sincerely, what have you already heard and what is wrong that you heard from people? What is wrong about melanin? And you know this information is not right. Mm-hmm. Can you tell us what you already heard and it's not good? The main thing, now, I don't know if it's the same in France, but the main thing in the UK is what they teach us about vitamin D. They tell us that melanin blocks sunlight. That's the reason why black people are low on vitamin D. Oh, yeah, okay. That's what they say in the UK. Yeah. That is incorrect. They say that in France. That is incorrect. Melanin doesn't block sunlight. It absorbs it. Okay. So black people, we don't have less vitamin D. We have more vitamin D than everyone else. Okay, let me check that. So, il dit en fait que comme en fait au UK, alors comme au UK, peut-être que c'est la même chose aussi en France, ils disent en fait que la mélanine
bloque en fait, voilà, bloque la vitamine D, et que du coup le soleil bloque en fait la vitamine D, qu'on ne l'absorbe pas, mais en fait ça bloque en fait la vitamine D, ce qui n'est pas du tout le cas. En France aussi, il y a aussi ce genre de rumeur, ce n'est pas du tout le cas. Et ils disent aussi, il a entendu aussi que les gens de manière générale ont moins, enfin les Noirs ont moins de vitamine D que les autres, alors que ce n'est pas vrai du tout. On a beaucoup plus de vitamine D. Et le soleil, en fait, quand on a le soleil, ça absorbe en fait la vitamine D, et ce n'est pas du tout le cas. Il va nous montrer quelque chose? Oui, il veut nous montrer quelque chose. Show that. So this is the only way your body produces vitamin D. Alors il nous montre un schéma qui nous explique comment votre corps en fait produit la vitamine D. The only way your body produces vitamin D is when your melanin absorbs UV, ultraviolet light. That's the only way your body produces vitamin D is when your melanin absorbs ultraviolet light. And that's another thing that they confuse us about melanin. Okay. Again, in the UK, they tell us that ultraviolet light is bad for us. Okay. Donc, il dit en fait que le seul moyen que notre corps puisse produire de la vitamine D, c'est en absorbant les ultraviolets, donc le soleil, et que c'est le seul moyen en fait que le corps a pouvoir produire en fait la vitamine D. Donc, au UK, il y a une rumeur qui court qui dit que les UV ne sont pas bons pour le corps, alors que c'est le contraire. Les UV, les ultraviolets sont bons en fait pour la mélanine et pour le corps humain. What did they tell you about ultraviolet light over here? Did they tell you that it's bad, that you need to be careful, yes, that you need to put on sunscreen? Mm-hmm. Yes, definitely. Right, exactly. The truth is, ultraviolet light not only tops up your melanin, but that's the only way your body produces vitamin D. So if you block ultraviolet light, you're literally committing suicide as a black person. Oh. Okay. Donc il a dit que la rumeur qui court comme quoi quand on n'absorbe pas en fait les ultraviolets, c'est la seule façon, en fait, comme il a déjà dit tout à l'heure, que notre corps puisse produire de la vitamine D. Et ne pas absorber en fait les ultraviolets, c'est les rayons du soleil, c'est comme si c'était un suicide quand on est une personne avec de la mélanine, quand on est une personne noire. C'est-à-dire ne pas s'exposer au soleil, ne pas avoir de la vitamine D, c'est comme si demain on s'expose en fait au suicide. And our ad, and the thing that I just want to mention this, in my book, everything that I mention is backed up with references. Okay. Scientific references. Okay. So dans son livre, il explique ce phénomène-là et il explique avec des arguments scientifiques. Tout est argumenté, tout est sourcé et tout est expliqué de manière scientifique. Donc procurez-vous le livre, hein, vous saurez la vérité. Bon les amis, on va pas tout balancer parce qu'on vous connaît. Après ça va finir en mode Mobali, tu ne l'as pas en PDF. Ah bande d'enfoirés, vous n'allez jamais changer. Vous n'allez jamais changer les amis. Vraiment, ne m'envoyez pas les textos pour me dire Mobali, je veux le voir en PDF. Voici le livre, il est disponible dès demain, il sera sur le stand. Le frère pourra faire des dédicaces, tout cela, vous le savez. Mais on va encore profiter pour gratter un peu du gratuit parce que je sais que vous aimez le gratuit. Frère, je vais poser des questions personnelles. Okay, so Mobali is making some promotion for your books, and he said that tomorrow the book will be available on the stand and at the conference, and he wants to ask you a personal question. Can he? Sure. Qu'en est-il de cette histoire de les locodermes n'ont pas de mélanine, les noirs sont supérieurs, patati patata, qu'on peut arrêter des balles avec la mélanine, qu'on ne peut pas avoir le Covid avec la mélanine, toutes ces conneries, on a déjà tout essayé frère, avec la mélanine, mais on est encore dans la merde. Donc comment ça se fait qu'on a de la mélanine, ça ne marche pas, et ceux qui n'ont pas la mélanine, c'est eux qui marchent. Trop d'informations. So, it's funny, Mobali is making jokes. So Mobali Makassi wants to know what is this information about white people who doesn't have any melanins, and why people say that black people have melanin, so we are stronger, we cannot be sick and have COVID because we got melanin. What is about that? Well, everyone has melanin. Everyone has melanin, including white people, and I break that down in the book. They have a different type of melanin. So their melanin is different to our melanin. Yeah. The main difference is... Attends, stop. Wait. Peut-être que déjà leur mélanine est peut-être la meilleure que la nôtre.
Ça aussi, peut-être c'est une vérité que tu nous caches. Mobali is saying maybe you hiding some truth. Maybe the white people have the good melanin, and this is what you are not saying to us. Well, there's two types of melanin. One is called eumelanin. Eumelanin. It's spelled E-U melanin, and the other one is called pheomelanin. Yeah. And in science, anytime you see E-U in front of a word, that means good, normal, or true. Okay, so il a dit qu'il y a deux types de mélanine. Il y a la mélanine EU et la mélanine, c'est l'autre, la pheomélanine. Et qu'à chaque fois que vous voyez inscrit devant mélanine EU, that is good, c'est la bonne mélanine en fait. C'est normal en fait, c'est la mélanine normale qu'on a dans le corps. And what is about the pheomélanine? What do you say? Can you say it again? Oh, wow. Pheomélanine. And remember, this is science terminology. Okay. So it's not my terminology. All it's right. Their terminology. Yeah. So according to them, in science, anytime you have EU in front of any word, not just melanin, in front of any word, okay. It means good, normal, or true. Okay. Pheo means dusty. Okay, dusty. Alors, il a dit, hein, je reprends parce que c'est pas que quand on a EU devant mélanine, mais devant tous les mots de manière générale, c'est un terme technique. Et ça veut dire bonne chose. C'est que ça veut dire que c'est quelque chose de bon. Mais quand c'est marqué FIO devant n'importe quel mot, ça par contre, c'est dusty, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas forcément qui est sale, quoi, qui est un peu poussiéreux, qui est un peu sale. So eumelanin comes in black and brown, and pheomelanin is red and yellow. Alors, eumelanin is black and brown, pheomelanin is red and yellow. Okay, eumelanin, donc la eumelanin, c'est noir et marron, et la pheomelanin, c'est rouge et jaune. J'ai oublié les couleurs. And this shows it, eumelanin, pheomelanin. Et voici un schéma, en fait, dans son livre qui explique ce phénomène-là. De la eumelanin and pheomelanin. So everyone has melanin. Everyone. Donc, du coup, tout le monde possède de la mélanine à l'intérieur de son corps, tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur. But there's the main difference between eumelanin and pheomelanin is how much light it can absorb. OK. La différence entre la eumélanine et la pheomélanine, c'est la quantité de lumière qu'elle peut absorber. Donc c'est juste ça. One absorbs more light. Devinez laquelle absorbe plus de lumière. La U. No. Which one? Eumélanine. Yes. So, in order for me, the person who wants to confuse you, in order for me to confuse you, all I need to do is stop you absorbing more light. So guess what? You need sunscreen. Guess what? You're gonna get burnt if you don't put this on. Guess what? When you're outside in the sun, make sure you seek shade. Meanwhile, the people who have pheomelanin are out there in the sun. They got on the shortest of shorts. They got their top off. Yeah. J'ai pas tout retenu. Donc, si je veux t'induire en confusion, en fait, si je veux t'induire en erreur, qu'est-ce que je vais te dire de faire? Je vais te dire de te protéger du soleil, de ne pas aller au soleil, de mettre de la crème pour te protéger, etc. Parce que, attention, c'est très dangereux pour toi. Alors que si on regarde bien, tous les pheomélanines, les leucodermes, eux, ils s'exposent au soleil, etc. Ouais, on leur dit, prenez le soleil, c'est la vitamine. Thank you. That is the way they confuse us. So, the reason why black people are sick is because we're not absorbing light. And another thing that happens is when we don't absorb the light, we don't get used to it. When we do go out there, it does burn us. Yeah. Mm. Alors, la chose qui s'explique aussi, c'est que quand on ne n'absorbe pas en fait de lumière, on est moins enclin à la recevoir. Voilà. Donc, du coup, micro.
Alors, quand on n'absorbe pas de lumière, on est moins, en fait, enclin, disposé. Moins disposé, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, moins disposé, en fait, à recevoir cette lumière de manière naturelle. C'est-à-dire, moins on s'expose, forcément, on ne reçoit pas. Par contre, j'ai oublié ce qu'il a dit, par contre, en contrario. Could you repeat the end, please? Yes. So, because our melanin is weak, we're not out in the sun as much. We're not absorbing light. Voilà, When we do go out in the sun, it burns us. So we think that's a bad... We then want to put on sunscreen and stuff like that. Donc, à force de ne pas s'exposer, en fait, quand on finit par sentir et s'exposer, là, par contre, on a des chances de se faire brûler, en fait, par le soleil. C'est pour ça qu'il faut faire attention, s'exposer de manière régulière, exact. So when we do get burnt, we think it's the sun. We think... The sun is bad, but if the sun is burning us, it's because there's something we're not doing. En fait, quand quand le soleil nous quand on attrape un coup de soleil, on a l'impression que le soleil n'est pas bon pour nous. Et du coup, quand on prend un coup de soleil, on se dit que c'est le soleil qui n'est pas bon, alors que c'est nous qui ne faisons pas les choses de manière normale, en fait. I use this analogy a lot. I don't know if it will translate in French, but I always say the sun is the truth. Ah. Donc du coup, voilà, la référence c'est que le soleil, c'est la vérité. C'est ça qu'il nous faut et on en a besoin et qu'il faut qu'on s'expose de manière régulière pour récupérer ce dont on a besoin, ce dont on a parlé précédemment. The sun is the truth and I feel like my mom is the truth. So when I was younger, if I was bad, my mom would beat me. Yeah. Donc il dit que quand en fait il exprime et il dit que pour lui sa mère c'est la vérité et que quand il était petit sa mère quand il ne faisait pas quelque chose de bien le battait. Donc vous avez compris en fait l'image. Le soleil c'est pareil, quand le soleil vous tape c'est parce que vous n'avez pas fait quelque chose de correct et que vous faites les choses n'importe comment en fait. Donc c'est ça l'image. But my mom is the truth. So if my mom's beating me, it's because of something I did. It's not because of her. What I'm not gonna do though is block my mom's beating. Donc là il continue en fait l'image en disant que quand sa mère le bat, il va sûrement pas arrêter sa maman, en fait, quand elle est en train de le taper. Elle peut pas le bloquer, en fait. Donc, du coup, c'est pareil. Quand le soleil nous tape, vous avez compris l'image, je pense. Parce que si je bloque ma mère's beating, it will make the beating worse. Yeah. Exactement. Donc, voilà, en fait, il explique que s'il essaye d'arrêter sa mère quand sa mère le corrige, ça risque d'être pire. D'accord? Donc, avec le soleil, ça fonctionne de la même façon. D'accord? Si on ne s'expose pas de manière régulière, quand on se fait taper et qu'on ne fait pas ce qu'il faut, ça peut causer de graves problèmes. So l'image est belle. So guess what happens when we block the sun? Donc, devinez ce qui se passe, en fait, quand on bloque le soleil. Makes it worse for us. Mm-hmm. C'est pire. Ça devient pire et c'est là qu'on peut avoir de vraies maladies et que... en ne s'exposant pas et en prenant pas ce qui est bon pour nous. Est-ce qu'il peut me dire que si toutes les conditions étaient réunies pour les Noirs, c'est-à-dire que si on respectait toutes les normes et qu'on s'exposait au soleil comme il faut, qu'on mangeait comme il faut, tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait en bénéficier? C'est-à-dire que cette mélanine-là, au final, qu'est-ce que ça allait changer dans notre vie? Parce qu'au final, moi, quand je réfléchis, ceux qui sont exposés, ils sont bien en Afrique, il fait bien chaud. Ils n'ont pas forcément les lunettes de Gucci. Pourtant, c'est la merde. Hein. Donc, j'ai envie de savoir vraiment qu'est-ce que ça apporterait de différent. Alors, Mobali Makassi wants to know if we, as black people, if we do everything right, we eat right, we absorb all the sunlight, what is the benefit of that? Because he realized that all the black people are in Africa and we are not good. So, Africa. Yeah, in Africa, in the sunlight. Mm-hmm. And he's asking, there is a lot of problem in Africa. So what is the benefits of doing everything right, having right food, benefits of the sunlight and everything? What is the benefit of that? It's about solving problems. So you want to be in your most optimal state to solve any problem you've got. Mm-hmm. So the more charged up you are,
the better you will be at solving any problem, whether it's a problem in business, whether it's a problem in the black community, whatever problem you face, the more charged up you are, the better you're going to perform. Alors, le but, en fait, le résultat et les bénéfices qu'on peut avoir, c'est être dans notre forme la plus optimum, en fait. Pouvoir résoudre des problèmes dans la communauté, pouvoir réfléchir et faire des choses dans sa vie, en fait. C'est à ça, en fait, que bénéficie avoir un équilibre, avoir la mélanine équilibrée, avoir la glande pinéale équilibrée. Ça nous permet déjà, dans un premier temps, d'avoir l'esprit beaucoup plus développé, pouvoir réfléchir de manière un petit peu plus claire. Tout ça, ça permet en fait, si tous les Noirs faisaient ça, je pense qu'on n'en serait pas là en fait aujourd'hui. Si on mangeait de manière équilibrée, si on s'exposait de manière régulière au soleil, etc. Ça, ce sont les bénéfices qu'on peut avoir en fait. Avoir la possibilité de pouvoir décupler ou développer notre intelligence, pouvoir résoudre des problèmes aussi dans la communauté, ce qui n'est pas le cas. Enfin, si je peux paraphraser, on utilise en fait tout ce qui nous concerne pour pouvoir faire d'autres choses, le divertissement, ce genre de choses. Et c'est peut-être pour ça en fait aujourd'hui. Que la communauté dans cet état-là. Je paraphrase, mais il n'a pas dit ça, mais je paraphrase. It's like your phone. If your phone is charged up, it can do more. Mm-hmm. If you are charged up, you can do more. Voilà. C'est comme votre téléphone, quand il est chargé à fond, vous pouvez l'utiliser à plein essor. Mm-hmm. Vous pouvez faire plein de choses avec. Mais c'est pareil pour vous. Si vous ne vous chargez pas des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous permettent de pouvoir développer votre intellect, si vous n'êtes pas chargé, en fait, en gros, vous n'êtes pas à votre forme optimum. Vous ne pouvez pas décupler, sortir de votre zone de confort, réfléchir à d'autres choses, pouvoir développer des vraies solutions pour la communauté. And I've got this in the book, but I'm gonna mention four things that charge you up as a black person. Ok, donc il va maintenant nous mentionner quatre choses qui nous rechargent quand on est noir. One, the sun. La première chose, le soleil. Two is water. La deuxième chose, c'est l'eau. Three is food. La troisième chose, c'est la nourriture. And it should be plant and green in particular because of chlorophyll. Ok, donc pour la nourriture, on n'a pas dit n'importe quelle nourriture, ça devrait toutes les nourritures qui sont vertes, donc la nourriture, les plantes, et spécialement en fait celles qui sont vertes et qui ont de la chlorophylle dedans. And this is just a side note, but in ancient Kemet, the main deity was Osar or Osiris. Mm-hmm. They called him the perfect black. But how was he always depicted? He was green. Right. They're showing us from Kemet. Okay. On nous montre cela, en fait, à l'époque de l'ancienne et de l'Égypte antique. L'un des Netcherou les plus connus, c'est Osar. Et Osar, en fait, est représenté en vert. Et ça vous explique, en fait, pourquoi, effectivement, c'est la couleur des plantes, c'est la couleur de la nature. Et ça vous explique, en fait, en quoi ce qu'il dit, le fait de manger des aliments qui sont verts, bénéficie, en fait, à votre métabolisme. Surtout qu'il a dit qu'il était décrit comme étant le noir parfait, mais il est peint en vert. Voilà, voilà aussi. So, we had sun. Donc water, on a le soleil, l'eau, plants, green, les plantes, le vert, the fourth plantes one vertes, is the earth. Ah. Et le quatrième élément qui vous permet de vous recharger est la terre. Mm-hmm. We should have our bare feet in the earth. Oui. The sole of our feet. Ah, ok. Ooh. Vous devriez marcher. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais dire quand même, je vais dire. Vous devriez marcher plus souvent pieds nus avec sur la terre. Les pieds en connexion avec la terre, ça vous permet de vous recharger. On ne vous a pas dit de marcher pieds nus dans les rues de Paris. Hein. In the UK, they call it earthing or grounding. I don't know what they call it over here. Earthing or grounding, when you have your feet oui, dans la terre, voilà, exactement. And the best place, the best surface to do earthing is the sand on a beach. Ah. Et la meilleure façon de vous connecter, il dit, à la terre, en fait, c'est de marcher pieds nus dans le sable, à la plage. So, again, thinking about your phone, there's two ways you can charge up your phone. You can plug it into a charger. Yes.
or you can charge it wirelessly. Ok, donc votre téléphone, vous avez deux façons de pouvoir le charger. Vous pouvez le charger en le connectant directement avec un câble, et vous pouvez aussi le charger en Wi-Fi, c'est ça? C'est ça. All right. So, earthing, when we do earthing, that's us plugging in. Ok, alors quand vous marchez, alors le terme c'est earthing, quand vous vous connectez à la terre, c'est comme si en fait vous vous, vous branchiez avec un câble. C'est là, pour vous donner une image, c'est à peu près la même chose. Plugging in. Donc vous vous connectez les pieds qui touchent le sol, qui touchent la terre, là vous vous connectez comme si vous vous branchiez avec un câble. Guess what our wireless charger is. Mm, et devinez comment vous vous connectez en Wi-Fi. The sun. Wow. Et en vous connectant au Wi-Fi, vous connectez avec le soleil. D'accord? Vous comprenez un peu l'image ou? Oui. D'accord. Now, if those two are our chargers, yeah. Yeah. The easiest way for me to make you sick is disconnect you from those two. Alors, la meilleure façon, en fait, si ces deux éléments-là sont les deux façons de pouvoir vous connecter. La meilleure façon de pouvoir vous rendre malade, c'est de vous éloigner, c'est ça, de ces deux connexions-là. Vous voyez? Le soleil, c'est-à-dire ne pas vous exposer au soleil et ne pas vous mettre en contact avec la terre et vous faire manger n'importe quoi aussi. Enfin, vous avez compris. So none of us are doing earthing, none of us are putting our feet on the earth, on the sand, and we're not out in the sun, so we're disconnected from both of our chargers. And we wonder why we're not charged up, we're not energized. We're voilà, sick. Exactement. En fait, quand vous n'êtes pas connecté de façon, enfin, comme si vous vous connectez à la terre avec, comme si vous connectiez avec un câble, et quand vous n'êtes pas exposé au soleil, forcément, vous n'êtes pas, vous êtes malade, vous tombez, vous attrapez des maladies, vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'êtes pas à votre forme optimum non plus. J'ai envie que tu puisses me dire, tu m'expliques pourquoi tu as choisi le titre, ce titre-là, parce que tu n'as pas choisi ça au hasard. J'ai envie que tu ailles un peu plus loin dans la description de ton propre titre. Ok. Mobali Makassi wants to know why you choose this title for your book. Because you didn't choose this title au hasard. Randomly. Thank you. Why did I choose this title? Well, I run a business called the Hidden Science Academy, so I do the hidden science of pretty much everything. So, okay. Yeah. So, okay. En fait, il a une école. En fait, le titre de son livre c'est The Hidden Science Academy. Et il a une école en fait qui s'appelle The Hidden Science. So, il utilise ce terme pour pratiquement tous ses projets. Les sciences secrètes, The Hidden Science. Il a une science secrète concernant le sexe. Oh ouais, c'est pas moi, c'est Francis. Non, c'est pas Francis. All right. He's saying, did you have a hidden science for sex? He wants to know if you have a hidden science. Oh my god. Some of that hidden science is Some of that hidden science is mentioned in that book. Ah, alors il répond en disant que oui, il y a des secrets dans son livre. Some of that hidden science is mentioned in that book because when it comes on to making babies, every step of the way, and I mentioned this in the book, every step of the way is under that one, embryogenesis. Okay. Every step of the way of making a baby involves melanin. Okay, la famille, il a dit, hein? Écoutez bien, mes sœurs, quand il s'agit, alors pour tout ce qui est sur la fabrication des enfants, hein? La fabrique, pour tout ce qui est, non, tu as compris. Donc, tout ce qui est pour la procréation, on va parler français, tout ce qui est de la procréation, tout est marqué dans son livre. C'est quand on veut avoir un enfant, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est marqué dedans. Page 40. Je dis ça, je dis rien. And I'd say that the hidden science of sex is probably the biggest revelation with regards to what melanin really does. Ok. Alors,
la science cachée, justement, sur l'une des plus grandes sciences cachées par rapport au sexe, c'est justement ce que la mélanine est capable de faire en matière de sexe. And I can prove it. We want to know. Okay. All right. Okay. No demonstration. Il y aura pas de démonstration ce soir, mais il peut le prouver. Il a des arguments solides apparemment. Messieurs, n'hésitez pas à poser des questions. They always tell us that the reason why we have melanin is to protect us from the sun. Yeah. Ouais. Did they tell you that over here as well? Why do we have melanin to protect us from the sun? Oui, c'est vrai. Alors ici, on dit souvent que la raison pour laquelle on a de la mélanine, c'est pouvoir nous protéger du soleil. On dit ça très souvent ici, et apparemment chez lui aussi. If that's true, then the darkest parts of your body should be the parts that are exposed to the sun. Alors si c'est vrai, la partie la plus cachée, sombre de son corps. Après, j'ai perdu. C'est celle qui n'est pas exposée. C'est celle qui devrait être exposée en fait au soleil. Voilà. Right. So if it's true that the reason why we have melanin is to protect us from the sun, that would mean that the darkest parts, in other words, our face and our hands, should be the darkest parts of our body because that's the part that's exposed to the sun. Here's the question. What parts of your body are the darkest? Men. Alors, la question en fait qu'il pose, c'est quelle est la partie du corps qui est la moins... La plus Men. Chez les hommes. Le trou de balle. Non, mais les amis, c'est la partie la plus sombre chez l'homme, non? Non? C'est les testicules. Attention à Blavier, elle a dit les testicules. Les amis, attention. Les amis dans le chat, honnêtement, dans le chat, la partie la plus sombre chez l'homme. Attends, la partie la plus sombre. Les amis, moi j'ai une idée. Chez les hommes, pas chez les femmes. Chez les femmes, c'est les oreilles. Non, je déconne. Je déconne. Les amis, mettez en commentaire. Mais moi j'ai ma petite idée. Mettez en commentaire. Roulement de tambour. Si la partie la plus sombre chez les hommes, c'est quoi? Bah, la naissance, on voit. Qui dit testicule? Toi? Qui d'autre trouve ça? They say asshole, testicle or. Yeah, testicles. Les testicules, c'est la réponse. C'est la bonne réponse. Yeah, pour les hommes, c'est les testicules, c'est la partie la plus sombre. It's not just the men's testicles that are dark. Oui, voilà, y a pas. I don't want to get too wait. Too explicit. Mm-hmm. But it's okay. What time is it? the man's part is darker than his face. Ah oui, alors il dit que les parties des hommes. Donc les parties génitales sont beaucoup plus sombres que son visage. C'est la vérité. Et alors que c'est pas exposé au soleil. That part is never exposed to the sun. So why is it so dark? Pourquoi c'est aussi noir? Vous avez compris la science tout ça? C'est noir par là tout ça. Vous avez compris? Je vais me regarder ce soir. Allez. Parce que les amis, on s'est pas bien regardé. Toi, le frère est très sombre. Je n'ose même pas imaginer. J'ai un frère dans le public, il est tellement sombre que même ses dents, vous ne les voyez. But check this out. Yeah. Guys can check that. Yeah. Alors les gars, vérifiez ce soir. Je vous invite. If you don't believe me, allez vérifier ce soir. If you don't believe me that down there is darker than up here, then just check. Yeah. But here's something that we don't even need to check. Every person knows this. Yeah. If the only reason why we have melanin is to protect us from the sun, then why are your nipples darker than the rest of your body? Oh. Alors, ils répètent encore la question, si effectivement la mélanine est faite pour pouvoir nous protéger du soleil, pourquoi nos bouts de seins, nous les femmes, sont beaucoup plus noirs que nos seins ne sont pas exposés au soleil. Alors pourquoi ils sont noirs?
Alors là, mon ami, j'avoue que je n'ai jamais... Hein, les amis, on n'a jamais pensé à ça. Honnêtement, hein, on voit que c'est noir, on ne s'est jamais posé la question que pourquoi c'est noir là-bas. Bon, on ne veut même pas savoir. C'est une perte de temps. Donc, les amis, apparemment, le secret, si vous voulez savoir pourquoi les tétons sont noirs, tout cela, les couilles sont noires, c'est dans ce livre, les amis, à la page 40, hein, page 40, il m'a dit. C'est ça, hein? Oui. Les gens vont acheter ce livre juste pour la page 40. Non, mais le frère He's trying to find the page where we are talking about that. Yeah, mm. The answer is in the book, but that shows you that they lied to us with regards to melanin. It can't just be that it protects us from the sun, because that would mean that the darkest areas would be the parts that are out in the sun. The darkest areas of your body hardly ever see the sun. Mm-hmm. Alors, du coup, j'ai pas tout retenu. Donc, les parties les plus sombres de notre corps, en fait, ne voient jamais le soleil. Mm. Donc, on se pose la question, pourquoi on nous dit l'inverse, en fait, que on doit pas prendre le soleil parce que c'est dangereux pour nous. Et surtout que ça nous protège du soleil, voilà. En fait, de base. Et que les parties les plus les moins exposées au soleil sont les plus sombres. Sont aujourd'hui les plus sombres. Enfin, c'est là qu'il y a le plus d'énergie. Enfin, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, que la science de la mélanine, s'il y a quelque chose qui explique ça, c'est justement par rapport à la science qui est cachée par rapport au sexe. Et c'est l'argument en fait qu'il prend en disant que les parties génitales, nous les femmes chez nos seins, etc., nos parties sont en fait aussi foncées. Et il y a une explication à ça. Et si vous voulez la réponse, c'est dans son livre. Peut-être qu'il va vous la donner s'il est gentil. Every step of making a baby involves melanin. Every step from the sexual act to the fetus to the embryogenesis to the baby being born to breastfeeding, it all involves melanin. Alors, toutes les étapes de la procréation nécessitent en fait la mélanine. Que ce soit de l'acte sexuel à la formation du fœtus, jusqu'à l'accouchement, jusqu'à l'allaitement, tout ça implique la mélanine. And that's why IVF treatment, in the UK, a lot of white women use IVF. Do you know what IVF is? Fécondation in vitro. Oui, yes. IVF, yeah. They got that science from a black woman named Henrietta Lacks. Ok, alors la procréation in vitro, c'est une science en fait que l'on détient d'une femme qui s'appelle Henrietta Lacks. Henrietta, voilà, Lacks. Et c'est d'elle en fait qu'ils tiennent la science pour la fécondation in vitro. They stole her cells and then done experiments on them and that's how they created the IVF treatment. Ok, ils ont volé en fait toutes ces études, toutes ces sciences, et ils ont créé en fait la fécondation in vitro. Et ça vient, en fait, cette science vient d'une femme noire. So it's a black woman's cells that helps white women get pregnant. Wow. Sorry, I'm touched. il est en train de dire en fait que les femmes blanches peuvent avoir des enfants aujourd'hui à cause d'une femme noire. Grâce à une femme noire. C'est lourd. Mm-hmm. Everybody's shocked. En tout cas, les amis, si vous voulez en savoir plus, je l'ai dit, c'est ce livre. Demain, le frère sera à la conférence. Pour toutes les personnes qui ne seront pas à la conférence, mais qui veulent avoir ton livre, comment on peut mettre ça en place? For everybody, also Mobali Makassi said that the books will be available tomorrow at the conference, and Saturday and Sunday, and he wants to know for the people who won't be there, how can they purchase your book? Yes, is the book is on Amazon or somewhere? No, not on Amazon yet, but they can purchase it directly from my website, so thehiddenscienceacademy.com. Alors, ils peuvent le trouver sur son site internet. Alors, c'est www.hiddenscienceacademy.com. Sur son site. www.hiddenscienceacademy.com. Tu peux rappeler le prix pour ce livre en euros qui va... Alors, le livre coûte 28, à peu près 28 euros. Ok, excellent.
Bah écoute, demain tu seras avec nous et je sais que mon frère, normalement toi tu comptais venir, mais pour faire la promotion, en tout cas une conférence ici en France. Moi je t'ai dit mon frère, avant de le faire, viens checker ton peuple, viens voir déjà comment ça se passe ici du côté francophone, mais j'ai envie de spoiler un peu. Quand tu vas revenir là, quand tu vas venir pour faire ton show à toi, tu vas nous parler de ça ou tu prépares autre chose en dehors de ce livre? Mabalim Bakassi is saying that he invites you here in Paris to do a conference, but before that he wants you to come to make some contacts with the people right there, and he wants to know if you come in Paris for a conference, is that your conference will be about this book or do you prepare something else? It will probably be something else. Like we put on events with regards to everything, so we've done the Hidden Science of Black Love. Yeah. We did the Hidden Science of Ancient Kemet. Yeah. We did the Hidden Science of White Supremacy. Mm-hmm. So it's whichever one you want us to bring out here. You know, we don't, we're doing in October in Birmingham, we're doing the Hidden Science of Black Music. Oh, so yeah. So it's whichever one you think would go down well in here in Paris. Ok, donc si jamais il vient, il va sûrement faire un thème sur alors the hidden side. J'ai vraiment réussi à comprendre. S'il y a des petits mots que je comprends pas, je cherche sur Internet, mais c'est vraiment compréhensible. Il y a vraiment, bon ça c'est mien, hein. Mais vous voyez, la première fois qu'on voit des femmes noires, là, ça fait plaisir. Tu vois, ça c'est génial. On apprend des choses extraordinaires sur la vie. Moi je trouve que c'est. Je sais pas du tout. Alors on va faire un truc, faites la queue comme ça, on passe les livres et faites la queue pour les signatures. Okay. Tu as déjà réglé ma soeur? Justement, j'attends ça. Ça attend. C'est le livre de l'ombre. Moi je suis la monnaie comme ça.